déplaçant 3 mm plus loin. Obligé de réaliser ça à la sciette sauteuse. Eh bah, c'est vraiment difficile. Thank you.
Il y a mes trois ruches d'origine, la Dadandy cadre, la 12 cadre custom, encore une Dadandy cadre, une Dadandy cadre, il y a un essaim dedans, une ruchette 6 cadre, avec un essaim aussi, et ensuite c'est 7 varées. Et la 8ème est ailleurs, mais elle a des défauts quand même, c'était ma première ruche. Mes petits frelons asiates. En effet, j'ai eu des graves problèmes informatiques à cause d'un coup de foudre. Du coup, ça a cramé pas mal d'éléments de mon ordinateur. En le temps de récupérer tout ça, bah voilà. Du coup, 6 colonies. Bon, là au milieu, c'est juste le toit chalet de la cicade.
du couvre-cadre et tout ça. L'avantage de faire ces ruches soi-même, c'est qu'on peut faire des Frankenstein. Par exemple, au-dessus de cette ruchette d'Adansicadre, il y a une varée avec juste un adaptateur, c'est une grille à reine. Une fois que les abeilles ont construit la varée, bah, je mettrai la reine au-dessus dans la varée. Et la d'Adansicadre servira à autre chose. Et là, c'est un essaim que j'ai récupéré dans une branche, mais c'est probablement venu de mes abeilles. Bon allez, bonsoir. Rock and roll. Alors pour enlever le nid de frelons, j'ai attendu la nuit, comme ça ils sont alors en désavantage. J'ai mis une grosse combinaison anti-frelons, puis je suis allé les attaquer avec une éprouvette sur grande perche. Alors du coup le nid est tombé, et puis je les ai écrasés, ou je les ai eu avec la raquette laser. Comme ça, pas de pesticides, ils peuvent pas déplacer des pesticides partout et aller infecter les autres insectes.